The new biology reveals that our mind is controlling our genetics and our behavior. And when I talk about the mind, I talk about there are two parts to the mind. There's the conscious mind and the subconscious mind. The conscious mind is the latest part of evolution. It's right behind our forehead right here. It's the part of the mind that we have our spirit, our personal identity with. The conscious mind is very creative. It's the one we can have positive thoughts and think about what we want in the future. The subconscious mind is more like a recording device. It records behavior. And then when you push the button, we play the behavior. So it's not creative, it's a habit mind. Well, for the longest time, we thought that our conscious mind, our creative mind, is controlling our life. And that's the mind with positive thinking and the wishes and desires. The conscious mind has what do you want from your life in it. I say, what do you want out of your life? What do you want? You say, I want happiness and health and success. And I say, oh, those ideas come from the conscious mind. And the subconscious mind is not creative, it just plays habits. Well, here's the problem. The conscious mind can think about the future. The conscious mind can think about the past. We can solve a problem in our head by not paying attention to here and just going up in our head. So the point, the conscious mind is always moving from thought to thought to thought, moving around. So I say, well then, if the conscious mind's not paying attention, then who is running the life day to day, all the things we do, driving the car, doing the job? If our mind is moving, it turns out our subconscious mind. So now we know that we are only creating our life 5% of the time with our wishes and our desires. 95% of our life comes from the habits. And I go, whoa. Well, then we have a problem because the fundamental habits, the first habits that we learned them from our parents, from our family, and our community. And this is the beliefs that went first into our subconscious mind. So I say, when you are being conscious, using your conscious creative mind, you're doing what you want. But the moment the conscious mind moves and thinks about something, then by default, we go to the subconscious. Like, oh, but the main programs in the subconscious are other people's programs. We got them from our parents or from our family. And so now we find out 95% of our life is from the subconscious programs. And this is where a lot of issues come from for a simple reason. I wish to be successful and healthy, and then I turn out to be a failure, or I turn out to have a disease, and I say, how come? And it turns out, because we're only working 5% with my wishes, 95% of the story from my family. So if my parents' behaviors created cancer, and they gave me the behaviors, then when I grow up, I will get the cancer as well. Not because I consciously want a cancer, but because my habits from my parents are playing 95% of the time. Well, this changes the way we do psychology for a very important reason. Because now we see the two minds as separate minds. Conscious is not subconscious. That conscious learns in a different way. Subconscious is more habit. Conscious is more creative. So I say, well, how can I educate a conscious mind? I say, read a book, read a self-help book. And I say, good, now you read the book. And I can give you a test at the end of the book. And I say, look, you got 100. You know everything in the book. I say, yes, your conscious mind has understood the book. And then I say, has your life changed? You go, it's the same life. How come? And I say, because you educated the conscious mind with reading, but you didn't change the subconscious mind. So you become more aware in your consciousness and yet you still have the same habits in your subconscious. Psychology is like that as well. I can go back and find out, my mother did this, my father did this, my friends did this in my life and that caused me to be crazy. And I say, oh, now I know all that. And I say, where is that knowledge? I say, oh, the conscious mind knows that. I say, now that the conscious mind is aware of why you're crazy, does your life change? And I say, no, because the conscious mind learns that way, the subconscious mind learns in a different way. So if you want to change the programming in the subconscious mind, which really runs our life, we can't have the conscious mind talk to the subconscious mind. Some people say, I'm going to give myself a good talking. I will tell myself not to do this again.
and it never works. And the reason is this. There is an entity in the conscious mind, you. And the subconscious mind is a machine. So you try to talk to the machine, but there's nobody in there. And that's why we are not successful at changing the old patterns. So there are three ways to change the subconscious mind. And this is the three ways the subconscious mind learns. The subconscious mind can learn from hypnosis. This is how we got the first 6 years of programming in our subconscious. The subconscious mind can learn from habit. If I repeat something over and over and over again, practice and practice and practice, the subconscious mind can learn it that way. And a third way is new. It's called super learning. It's a way of like pushing the record button on a tape recorder. When you push the record button, it can download information. The new psychology called energy psychology activates the equivalent of super learning. So we don't have to go over your whole life experiences. In just minutes, we can take a belief that is not helping you in minutes and rewrite that belief in the subconscious, and you can walk away 10 minutes later, a completely different person. I'm very excited by this psychology because the world is in a lot of stress. We don't have a lot of time like the old-fashioned psychology takes years. The new psychology takes minutes. And this is very important for humans because we need to change our lives as soon as we can to create a better, sustainable world. Poursuivre sur l'épigénétique, parce que vous l'avez abordé très rapidement en préambule de cette conférence, et pourtant c'est un sujet intéressant. Qu'est-ce que c'est ? Dites-nous. Alors c'est plus qu'intéressant. L'épigénétique, je vais vous expliquer ce que c'est la grande révolution de la biologie de ces 5 dernières années, pas 10, 20, 30, 5 dernières années. Il y aura une floraison de prix Nobel sur ce sujet. Vous connaissez tous la génétique, c'est l'ADN, le programme du vivant. Et pendant très longtemps, on a cru que cet ADN ne pouvait faire des variations. C'est vrai d'ailleurs, c'est une réalité, par des mutations qui mettent très longtemps à se traduire par des espèces qui vont s'adapter et donc sélectionner par la sélection darwinienne. Or, le programme de la vie ne code que pour 15% des machines-outils qui font fonctionner la cellule vivante, c'est-à-dire les enzymes et les protéines. 15%. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que le reste, les 85%? Et comme on ne savait pas, on a appelé ça « junk DNA », ADN poubelle. C'est facile, c'est des trucs qui sont accumulés au cours du temps. Maintenant, on sait que ces 85% permettent la fabrication de petites molécules d'ARN, qui sont monobrins, beaucoup plus courtes que le grand ADN, 10, 15 bases du code génétique jusqu'à 150, et en permanence, elles circulent dans le corps et régulent le fonctionnement des gènes. Donc l'épigénétique, c'est la modulation de l'expression des gènes. En fonction de quoi ? En fonction du comportement. Votre comportement quotidien. Ce que vous mangez, si vous faites de l'exercice ou pas. Si vous avez managé ou non votre stress, si vous avez du plaisir dans ce que vous faites, et si vous avez un réseau social et familial qui marche bien, ces 5 éléments combinés entre eux vont conduire à la production dans votre corps de petites molécules qui vont s'accrocher à des enzymes, lesquelles vont rentrer ou être reconnues dans le noyau. Dans le noyau où il y a l'ADN, cet ADN est protégé par une gaine, comme un fil électrique est protégé par du plastique. Cette gaine s'appelle des histones, sont des protéines. Or, l'ouverture de ces histones permet de polymériser l'ADN en ARN messager, qui va permettre de fabriquer les protéines et les enzymes, ou non. C'est comme un livre de cuisine. Vous avez un livre de cuisine où les pages de chapitres sont collées. Si le chapitre du soufflé au fromage est collé, vous ne pouvez pas faire de soufflé au fromage. Par contre, si le chapitre du poulet casserole est décollé, vous faites du poulet casserole. Mais si on recolle le chapitre du poulet casserole et qu'on ouvre le soufflé au fromage, vous ferez du soufflé au fromage. L'ADN, c'est comme ça. Il y a des gènes qui s'expriment, des gènes qui sont silencieux, des gènes qui sont inhibés. Et ça dépend de notre comportement. Donc, je finis là-dessus. Réalisez ce que ça représente pour la médecine préventive. Réalisez ce que ça représente pour vous. Vous pouvez être en partie responsable de votre santé. Oui, vous pouvez faire quelque chose pour vous. Essayez d'être en meilleure santé, c'est possible. Essayez de vieillir moins vite. Et c'est un intérêt non seulement pour vous, et c'est un intérêt social. Et je termine sur un exemple précis de l'épigénétique. Ce sont les abeilles. Toutes les larves d'abeilles naissent avec le même patrimoine génétique, exactement le même. Mais si vous donnez de la gelée royale à manger à certaines larves et pas à d'autres, elles deviennent des reines.
Vous avez la différence entre une larve d'abeille et une reine, ou une abeille ouvrière et une reine. Elle est plus grosse, elle pond des œufs et elle vit plus longtemps. Donc, rien que l'alimentation en Algérie royale, à méthylé ou acétylé, je ne veux pas rentrer dans les détails chimiques, ces fameuses histones pour permettre aux gènes de s'exprimer ou non. C'est une grande révolution et ça va définir la médecine préventive de demain par rapport à la médecine thérapeutique et au poids de Big Pharma et des médicaments dont on n'est jamais trop sûr que leur interdépendance va causer plus de maladies que celles qu'ils essayent de guérir. Voir ce qui est en train de se produire en ce moment avec des médicaments qui sont retirés du marché régulièrement. Merci. Très rapidement, quelques-unes des premières recherches scientifiques. Ceci est la première étude. Je ne vais pas entrer dans les détails à part dire qu'elle a été réalisée au Moyen-Orient, au plus intense de la guerre du Liban, au début des années 80. Et il a été suggéré, sur la base de plusieurs études à plus petite échelle, que si suffisamment de gens faisaient ensemble l'expérience et stimulaient ce champ fondamental de paix intérieure, qu'il y aurait une influence de paix qui rayonnerait et influencerait le comportement des gens dans la société. Les gens se réveilleraient le matin et décideraient « Bon, je ne vais tuer personne aujourd'hui. » Quelle pensée innovatrice! Qu'avec une compréhension un peu élargie, une vision moins étroite, moins centrée sur soi, et stressé, que ces actes désespérés de terrorisme n'auraient tout simplement pas de terre fertile pour pousser. Ce tableau montre en ligne pointillée qui monte et descend la montée et la baisse quotidienne du nombre de personnes qui méditent en groupe à Jérusalem. En moyenne, 1000 personnes, parfois plus, parfois moins. Et la ligne continue représente le progrès vers la paix dans la guerre du Liban voisin. Et même avant les résultats d'une analyse statistique, vous pouvez presque voir dans les données brutes que le progrès vers la paix, mesuré par la baisse du nombre de morts, de blessés de guerre, de bombes, le progrès vers la paix monte et descend presque en parallèle avec le nombre de personnes qui méditent en groupe et irradient cette influence de paix intérieure qui devient une paix extérieure. Quand ces données ont été soumises à analyse mathématique, la probabilité que ceci soit dû au hasard est inférieure à 1 pour 10 000. Être capable d'avancer avec une telle certitude que la méditation en groupe a évité la guerre est une découverte vraiment remarquable. Quand ceci a été publié dans le journal de l'Université de Yale, Conflict Resolution, ça a produit une véritable tempête. Tout d'abord, il a fallu 2 ans pour publier l'article, parce que les éditeurs l'ont révisé et révisé avant de conclure que l'article est inattaquable. Cette étude a été conduite avec une rigueur scientifique bien supérieure aux normes requises pour être publiée dans n'importe quel journal. Donc, ils devaient le publier, mais ils l'ont accompagné d'une lettre. Et la lettre dans le journal disait « Les résultats de cette étude sont si inattendus qu'un millier de personnes puissent influencer le comportement d'un million » qu'ils ont insisté pour que d'autres scientifiques refassent cette étude. Et c'est exactement ce qui s'est passé au cours des 2 ans et 3 mois suivants. 7 autres collaborations scientifiques ont refait cette étude. Ils ont formé et réuni des groupes de méditation pratiquant la méditation transcendantale. Et pour chacune de ces recherches, durant ces 2 ans et 3 mois, il y a eu une réduction significative de la violence et de la guerre. 80% de réduction du nombre de morts et de blessures de guerre, comparé à tous les autres jours durant ces 2 ans et 3 mois où il n'y avait pas de groupe de méditation, durant lesquels la situation s'est légèrement détériorée, comme le montre ce tableau, en comparaison aux 7 barres hautement positives qui montrent un progrès vers la paix très significatif au niveau statistique pour chaque étude. Si vous rassemblez tout cela, la probabilité que cette réduction de la guerre soit due, encore une fois, au hasard et non au groupe de méditation est inférieure à 1 pour 10 millions de millions de millions. Il y a beaucoup plus d'évidence que la méditation de groupe puisse arrêter la guerre comme un interrupteur qu'il y a de preuves, par exemple, que l'aspirine diminue le mal de tête. C'est un fait scientifique.